Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais essayer de faire un slime ultra fluffy. Donc j'avais déjà essayé ce genre de slime avec de la mousse pour les cheveux et ça n'avait pas fonctionné comme je le souhaitais. Ça me donnait un slime qui s'étire énormément et tout, alors que non, normalement comme c'est très fluffy, on ne peut pas l'étirer. Donc c'est parti, on va faire ça avec les vrais ingrédients. Donc pour ça j'utilise de la colle Cléopâtre blanche et de la mousse à raser. Tout ce qu'il y a de plus simple. Donc c'est parti. Je commence par mettre forcément ma colle. Comme d'habitude, je forme mon slime. Et je viens y ajouter énormément de mousse à raser. Donc voilà, là je pense que je suis vraiment pas mal. J'ai mis qu'un fond de colle et tout le reste c'est que de la mousse à raser. Donc c'est parti, on va commencer par mélanger tout doucement. Donc là, ça me paraît très bien mélangé. Maintenant, ce que je vais ajouter, c'est la solution pour les lentilles. Donc moi, en ce moment, je l'utilise en pipette comme ceci. Donc ces petites pipettes-là, vous pouvez les trouver en pharmacie, comme on me le demande assez souvent. Autrement, vous pouvez trouver de la solution pour lentilles en grande surface. Mais pour celle de la grande surface, la plupart du temps, il faut utiliser du bicarbonate de soude alimentaire. Donc là, le slime commence à se former. Je mélange, mais vraiment tout doucement. Donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo d'hier sur Pokémon Go pour ceux qui aiment Pokémon Go. Je vous le conseille, c'est ma première vidéo, d'ailleurs j'aimerais bien avoir vos avis. C'est une vidéo où je capture Germignon Shiny car c'était la journée Community. Franchement je le trouve super mignon en Shiny. J'en ai capturé pas mal, n'hésitez pas à aller voir. Donc là notre slime commence à être vraiment pas mal aussi. De toute façon, vous aurez le lien à la fin de cette vidéo pour voir la vidéo Pokémon Go. Écoutez, je pense qu'on va pouvoir commencer à le travailler à la main. Là, je pense qu'il est vraiment ultra fluffy et qu'il ne va pas beaucoup s'étirer. C'est exactement ce que je veux. Les slimes fluffy, c'est vraiment des anti-stress super sympas, je trouve. Donc écoutez, je vais le travailler autant que possible. Parce que j'ai encore pas mal de mousse à raser qui me reste sur les doigts.
Il est encore un petit peu collant au niveau des mains, donc je pense que je vais rajouter un tout petit peu de solution pour anti pour qu'il ne colle plus du tout. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Donc vous êtes assez nombreux à me demander mon adresse. J'ai bien reçu vos mails, mais je me suis limitée à 10 personnes par semaine. Donc soyez assez patients pour recevoir mon adresse. N'hésitez pas à continuer de m'envoyer des mails. Voilà, tout simplement. J'essaierai d'en envoyer encore à 10 personnes dès lundi. Je suis obligée de me limiter car autrement j'ai peur de recevoir trop de courriers en même temps, tout simplement. Donc voilà, on a bien un slime ultra fluffy. Je ne peux pas beaucoup l'étirer. Je trouve ça vraiment sympa comme slime. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà essayé de faire un slime avec au moins 3 ou 4 fois plus de mousse à raser que de colle. J'adore ce bruit. C'est assez spécial, ça nous forme une boule de slime non étirable tout simplement. Là je tire vraiment fort pour vraiment l'étirer un petit peu. C'est vraiment super sympa, un anti-stress mais génial. Donc si ma vidéo vous a plu, n'oubliez pas les pouces bleus, partagez et abonnez-vous. Bisous les amis!